Kim Glow est en deuil. Ce jeudi 6 avril sur Instagram, l'influenceuse a pris la parole, le cœur en miettes. Bouleversée, elle a annoncé la mort de son bébé, un être cher à ses yeux. 2023 est une année que n'oubliera jamais Kim Glow. Sur Instagram ce jeudi 6 avril, la star découverte dans la télé-réalité a annoncé une douloureuse nouvelle. La mort de Chanel, son petit chien. Il est temps pour moi de vous annoncer qu'il y a plusieurs jours Chanel est décédé. J'avais besoin de temps pour essayer de réaliser vivre avec cette douleur qui finalement ne partira jamais. Je vais juste apprendre à vivre avec cette souffrance, ce manque d'elle. Ce n'était pas un chien mais mon enfant pour moi dans mon cœur. Je suis anéantie, brisée, détruite, je n'arriverai jamais à m'en remettre. J'imagine qu'elle est au paradis des chiens, apaisée, pour essayer de me réconforter. Je l'aimerai toute ma vie et chaque jour jusqu'à ma mort je penserai à elle. Repose en paix mon bébé maman t'aimera pour l'éternité, a annoncé l'influenceuse sur le réseau social, sous un portrait de son petit chien. Un message bouleversant, qui a touché les internautes en plein cœur. Courage, on s'attache tellement à ces petites bêtes. Courage, elle a eu une belle vie grâce à toi. Une maîtresse en or. Et de là-haut elle veillera sur toi, vous avez été une maman formidable pour elle. Elle le sait et elle veillera toujours sur vous. Courage ma qui me repose en paix petite Chanel, plein de courage, ont-ils été nombreux à lui écrire. Chanel souffrait de plusieurs problèmes de santé. Il faut dire que la petite Chanel a longtemps souffert de problèmes de santé. En octobre dernier sur Instagram, Kim Glow expliquait que son chien était malade. Ça a commencé par des pertes d'appétit, vomissements, diarrhée, perte d'énergie. Elle est toute fébrile. Alors on lui a fait des examens et une prise de sang et le verdict est tombé, ses reins n'arrivent plus à filtrer et ça ne se guérit pas. Elle a donc un traitement à vie pour le temps qu'il lui reste. Pour l'instant, il faut qu'elle se réalimente mais elle ne mange pas, je me sens impuissante. Je ne fais que prier et elle a aussi besoin de vos prières si vous avez le temps. Mon cœur est brisé, confiait celle qui s'appelle en réalité Sophie, qui va maintenant avoir besoin d'énormément de soutien pour affronter la disparition de sa petite Chanel.